Salut à tous, messieurs, dames, et bienvenue au Gaming News. On commence avec la première nouvelle. Eh bien, comme je vous l'avais déjà dit, le mobile gaming est prioritaire pour toutes les compagnies de jeux vidéo d'ici 2030. La simple raison est de faire le maximum d'argent grâce aux jeux services en ligne ou des jeux en free-to-play pour ensuite vous vendre le maximum de cosmétiques. Epic Games ont annoncé la semaine dernière viser une nouvelle stratégie sur le gaming sur mobile en sortant leur application soit le Epic Games Store sur Android et iOS au lieu de sortir un jeu comme Fortnite et ainsi perdre plus d'argent. Bien sûr, tout ça n'est qu'une question d'argent, car il ne faut pas oublier la fameuse saga entre Fortnite et iOS où Epic Games perdait énormément d'argent alors qu'il fallait payer une grosse somme tout simplement pour être sur la fameuse plateforme de Apple. Il y avait plusieurs rumeurs suite à l'annonce du prochain Call of Duty qui sera disponible dès sa sortie sur la Game Pass que les prix des abonnements seraient augmentés à cause de ça. Eh bien, les rumeurs étaient vraies. Maintenant, il y aura plusieurs niveaux d'abonnement pour la Game Pass et en plus, un abonnement unique pour jouer au jeu Cloud et l'augmentation pour tous les abonnements de la Game Pass seront augmentés à plus de 25% chacune. Malgré tout, personnellement, je ne suis pas choqué, je dirais même que cela ne me dérange pas et je m'explique. La Game Pass nous offre des jeux Day One et PlayStation, non. Et ce, même pour leurs propres jeux. Déjà juste pour cette raison-là. Pour moi, je suis OK avec leur augmentation car non seulement nous avons droit à des jeux Day One pour les différents studios de chez Xbox, mais aussi d'autres studios qui ne sont pas rattachés à Xbox. Bon, après les trucs qu'a fait Phil Spencer dernièrement et le fait qu'ils veulent aussi miser beaucoup sur le gaming sur téléphone me dérange, il reste que la valeur de la Game Pass à mes yeux est toujours aussi importante par rapport aux autres services offerts sur le marché. Dernièrement, Ubisoft sont tombés à nouveau dans l'eau chaude après avoir officiellement sorti sur X/Twitter un message à la communauté japonaise sur leur prochain jeu, AC Shadows. Le message survient après que plusieurs Japonais ont sorti une pétition contre la sortie du jeu et que maintenant le gouvernement japonais tenterait de regarder en détail l'impact qu'a AC Shadows au niveau culturel dans leur pays. Malgré tout, dans le message d'Ubisoft, ils ont tout de même mentionné que l'histoire de Yasuke est débattable et que rien n'est à 100% valide, bien que le directeur du jeu Charles Benoît a dit qu'il y a des mois comme quoi que le jeu était historiquement réel. La polémique aura été grande pour AC Shadows avec le personnage Yasuke. Plusieurs fans s'en fichent complètement des origines du samouraï africain, comme d'autres disent que c'est une occasion ratée de la part d'Ubisoft, alors qu'enfin nous aurons un jeu basé sur le Japon féodal, alors que tous les fans de demandait un jeu sur cette époque depuis si longtemps. Est-ce que le jeu sera un flop? C'est une bonne question à se poser, mais d'ici là, il aura causé une grande polémique où chacun doit choisir un camp, sinon, dans notre société d'aujourd'hui, ben, il se fera insulter par l'autre groupe. Mais oui, c'est comme ça maintenant. Le seul et unique développeur et le créateur de Stardew Valley a écrit sur Twitter/X la semaine dernière disant que les futurs DLC de son jeu ne seront jamais payants et que toutes les updates seront gratuites. Il a également mentionné que le prochain port sur mobile arrive prochainement malgré l'attente qu'il espère que les gens seront compréhensibles. Il faut féliciter ce mec pour l'acharnement et l'ardeur de son travail car après la sortie de Stardew Valley en 2016, le jeu est toujours aussi joué et aimé par la communauté et le développeur aura réussi à vendre son jeu à plus de 30 millions de copies. Rares sont les petits développeurs comme lui qui font de gros succès, mais quand ça arrive, c'est important de le mentionner et je suggère vraiment Stardew Valley à tous. Concord est déjà un échec selon les dernières statistiques sur SteamDB et la sortie du jeu en bêta sur Steam. Au moment de cette vidéo, il n'y aura eu que seulement 2388 personnes pour être précis qui auront joué à la bêta et plus de 356 personnes en temps réel qui jouaient encore à la bêta. Alors que Helldivers 2 ont perdu beaucoup de leurs joueurs et n'auront reçu que très peu d'aide de la part de PlayStation et surtout le fiasco concernant la restriction du jeu via un compte PSN, bien c'est dur de comprendre pourquoi PlayStation auront décidé d'aller de l'avant avec Concord. Concord se vend à 40$ canadiens. Et déjà les gens qui auront joué à la bêta disent du jeu qu'il est vide et sans vie. Le jeu se veut un concurrent direct à des jeux du genre de Overwatch, mais semble déjà être un échec lamentable et je ne comprends pas pourquoi PlayStation n'ont tout simplement pas décidé
décidé de donner tout l'argent du développement de Concord et juste aider les devs qui ont fait Helldivers 2. Je sens que Concord sera un des plus gros échecs de PlayStation à ce jour et on le saura très vite le 23 août prochain. En parlant de Helldivers 2, bien pour ceux qui ont arrêté de jouer au jeu, vous serez content d'apprendre que la plus grosse update jamais sortie sur le jeu arrive dès le 6 août prochain. Il y aura de nouveaux ennemis, des objectifs variés et plus. Malheureusement pour les développeurs de Helldivers 2, bien ils auront perdu plus de 90% des joueurs durant le dernier mois et il faut qu'on se dise la vérité. C'est majoritairement dû au compte forcé PSN que PlayStation auront mis durant les derniers mois. Je pense perso que c'était un sabotage délibéré de la part de PlayStation en vue de leur prochain jeu Concord car Helldivers 2 aux yeux de PlayStation n'était pas censé être un aussi gros succès alors que Concord, lui, bien PlayStation auront mis de l'argent dans le développement. Dans tous les cas, Helldivers 2 a toujours eu autour de 20 000 personnes qui jouent au jeu et beaucoup reviendront grâce à cette prochaine update. Pour les fans de Fallout et qui ont recommencé à jouer à cette incroyable franchise à cause de la série télé, eh bien vous serez content d'apprendre que le mod appelé Fallout London est officiellement disponible. Fallout London est un mod dans lequel les fans travaillent depuis plusieurs années déjà afin de nous donner un tout nouveau jeu et ce, gratuitement. Dans ce mod, vous trouverez une toute nouvelle histoire entièrement doublée par des artistes, plus de 200 missions différentes, 20 factions à rencontrer ainsi qu'un paquet de choses incroyables. Si vous avez un PC et vous désirez encourager et jouer à ce mod, j'ai mis un lien dans ma description pour que vous puissiez aller voir à quoi ça ressemble. Pour ceux qui attendaient impatiemment le jeu Stalker 2, eh bien vous serez déçu d'apprendre que le jeu est officiellement repoussé encore une fois. Le développement de Stalker 2 a toujours été controversé et difficile. Le jeu avait été annoncé pour la première fois en 2012 pour ensuite être annulé, puis a été ramené à la vie en 2022. Comme les développeurs sont basés en Ukraine, ils ont vécu la guerre et depuis le jeu aura été repoussé en continu. Les devs visent maintenant le mois de novembre au lieu de septembre pour Stalker 2, mais est-ce que le jeu va finalement sortir un jour? C'est la question que je me pose après autant de difficultés au niveau du développement et même si le jeu venait à sortir, est-ce qu'il sera à la hauteur de toutes les promesses? C'est à suivre. Et voilà messieurs, dames, c'était tout pour les Gaming News. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous pour plus de Gaming News et autres contenus. Et messieurs, dames, on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine et peace!